c'était bien la danse. Lâche-moi, je ne veux plus t'entendre. Et je rentre à la maison. De toute façon, on se retrouvera demain. Qu'est-ce que vous m'avez dit que cet homme vous avait suivi toute la journée? Mais je m'en fiche! À la maison, je suis en sécurité! Laissez-moi tranquille, je veux rentrer chez moi, je ne suis pas en sécurité ici. Je vous préviens, je vous préviens. Si vous rentrez chez vous ce soir, cet homme va vous attaquer. Parce que s'il vous a suivi toute la journée, il veut dire qu'il cherche quelque chose avec vous. Vous espionnez, je ne sais pas. Mais s'il vous plaît, madame, restez ici, c'est la sécurité. Je vous présente le commissaire Maigret. Madame, qu'est-ce qui s'est passé? Un homme m'a suivi depuis toute la journée. Et là, je viens de rentrer du bar. Quand j'étais en train de faire mon spectacle de danse, et j'ai vu l'homme, donc je me suis précipitamment venue, mais le gendarme m'a emmené ici. Mais vous voulez rentrer chez vous, c'est ça? Oui. Mais restez ici, madame, ce serait mieux. Bon, je rentre chez moi. Vous ne seriez pas en sécurité? Je crois que je vais rester ici. Très bien, madame. Bien. Bonne nuit. Au secours! Au secours? Oh, excusez-moi, ce n'était qu'un cauchemar. Bon, je rentre chez moi. Mais madame... Non, très bien, entrez chez vous. Merci. Le petit déjeuner est servi. Oh, merci, que c'est gentil. Bien sûr. Merci. Mais combien tu as coûté ça? Oh. C'est gentil, je... Même pas une fortune. Je... Allô? Oui? D'accord, je l'appelle. C'est le commissariat. D'accord, je vais. Maigret, bonjour. Oui, d'accord, j'arrive tout de suite. Je crois que c'est cette porte. Bonjour. Ah, bonjour, docteur Gérard. Ah, bonjour, monsieur. Cette femme est morte hier à 23h et elle a été étranglée avec une ficelle et elle a une trace sur le poignet encore que l'assassin a dû serrer sur le poignet. Vous deviez aller voir son mari et elle était encore au bar là-bas. À cette heure-ci, il est encore au bar. Vous deviez aller voir. D'accord. Quelqu'un? S'il vous plaît, nous sommes de la police judiciaire.
Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. Quelqu'un? Ah, bonjour madame. Nous cherchons un certain Vincent Souhaite. C'est moi. Ah, c'est vous, monsieur. Vous avez une mauvaise nouvelle, votre femme est morte. Quoi? Ça va pas, non? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Elle est morte à 23 heures. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Alors hier, je ne suis pas resté. Je ne suis pas resté ici pour regarder ma femme danser. Mais hier, elle était un peu en colère avec moi. Je restais dans les coulisses, moi. Mais... Alors... Regarde un peu qui nous observe. Hein? Son ami emmène-le au commissariat, Joss. Monsieur Souhaite, qu'est-ce qui s'est réellement passé hier soir? Ben, j'ai voulu rester dans les coulisses. Non, ne fumez pas. Je vous pose une question, répondez-moi net et clair. Je ne sais pas. J'étais en retard et j'ai voulu rester dans les coulisses. Vous me dites que vous êtes resté dans les coulisses hier soir. Pourquoi faire? Ben, j'ai resté dans les coulisses pour attendre l'arrivée de ma femme. J'ai pas voulu regarder le spectacle et ma femme était un peu en colère. Et elle m'a dit qu'elle rentrait à la maison et elle était en colère. Mais je ne sais pas pourquoi elle était en colère. Peut-être c'était le stress. Vous pouvez y aller. D'accord, merci. Alors, monsieur, vous vous appelez? Wilfred Robinson. Qu'est-ce qui vous a pris de nous espionner comme ça? Comme ça, ça n'a aucun sens. Vous êtes l'homme que Madame Rosalie Souhaite m'a décrit. Et vous êtes aussi l'homme que plusieurs femmes vous a décrit. Non. Eh bien, vous êtes condamné à la peine de mort. Vous serez jugé dans la semaine prochaine. Joss, rendez-le. Le chien sous le toit, le chien.